j'aborderai plusieurs thèmes, de vous présenter différents aspects de ma profession. Alors, un projet actuel dans le jardin zoologique de Bâle, c'est un espace pour des singes, une clientèle assez spéciale. C'est finalement quand même un projet un peu inquiétant. Parce que c'est presque une prison. Et si on les voit de proche, s'ils vous regardent, on ne sait jamais ce qu'ils pensent. Alors, c'est un très bel jardin zoologique. Il y a une maison pour les anthropoïdes qui était conçue par un artiste, Kurt Brecker, qui a collaboré avec le génial ingénieur Heinz Hausdorff. Et c'est conçu comme un petit paysage. Il n'y a jamais une vue ou une approche perpendiculaire au vitrage. Mais jusqu'ici, ces singes n'avaient presque pas d'espace extérieur. Et ça, on a voulu changer. Et le zoo m'a invité de faire un propos pour ces espaces extérieurs. Et ce que je veux vous montrer maintenant, c'est le processus de concept tel qu'il était. Je vous montre les esquisses et j'ai mis quelques commentaires. Bon, c'est en allemand, mais j'espère que je peux vous intéresser à la succession de ces pensées qui étaient faites assez vite. Alors, tout d'abord, on pense, bon, il y a ces quelque chose comme des mailles en câble. On pourrait les utiliser pour stabiliser une succession de colonnes. Mais ce n'est pas une volière, ce sont des animaux assez forts. Alors, ça bougera toujours, ça ne fonctionnera pas vraiment. Alors, on peut poser les colonnes en diagonale, ça fonctionnerait, mais ça ne satisfait pas. Alors, la conception, c'est aussi une chose émotionnelle. Si ça ne satisfait pas, on continue. Mais pourquoi ça ne satisfait pas? Ce n'est pas toujours très clair. Mais ici, c'était clair. Que il est le cas. Alors, je suis passé à une échelle plus grande pour éviter cette sensation un peu serrée. Alors, c'est presque une halle industrielle, des poteaux, des fermes. Mais si on travaille avec des câbles, ce n'est pas nécessaire d'avoir tous ces éléments rigides. Alors, j'ai commencé à incliner les fermes extérieures et de poser les câbles par-dessus, comme une enveloppe. Et puis je me suis dit, pourquoi faire ces poutres? Je les abandonne. J'ai que des poteaux et de câbles. Et puis, j'avais un sentiment d'avoir trouvé quelque chose assez convaincant. On a commencé de faire des esquisses de bâtiments existants, et ces volumes assez grands autour de ce bâtiment. Et puis c'était l'idée de faire ces poteaux en béton pour donner aux singes quelque chose de s'attaquer. La pensée, ça c'est comme des fauteuils pour les singes. Et
J'ai présenté ça aux gens du Sceau, et ils ont dit ça leur plaît. Et le directeur a créé le nom de 3D Kids pour ces éléments. On a calculé un peu, vérifié les dimensions, ajusté les positions, et ma femme Lydia, qui toujours fait les maquettes, a créé une très belle maquette, et puis c'était le résultat. Et maintenant, c'est en construction. Ça finira l'automne de cette année. Bien sûr, maintenant, on pourrait dire ça, c'est vraiment le concept du sceau de Baal, de dire on ne veut pas imiter la nature pour ces animaux, mais on crée une nature artificielle. On pourrait dire c'est des buissons en béton, des plantes comme ça, mais moi-même, je n'ai jamais cette démarche, disons, organique. Comme j'ai vu, j'ai montré, ce sont des raisons d'ingénieur, d'efficacité des structures qui m'ont guidé, mais c'est quand même intéressant que finalement, il y a une certaine analogie entre ces buissons, ces arbres et cette structure qui n'était pas voulue. Je suis assez mécontent contre ces analogies comme méthode qu'on voit des fois, parce que je trouve la conception d'un ingénieur, c'est autre chose que d'imiter la nature, c'est plutôt savoir les lois de la nature. Mais peut-être ça mène à une chose similaire, finalement. Alors, je vous montre quelques autres images de ces maquettes. Un exemple tout différent pour le même phénomène. C'est un pont sur l'Aar, pont pour des piétons. Les conditions étaient très claires. Ils ne voulaient pas un pilier dans l'eau. Il y avait un profil qu'il devait respecter à cause des crues. Alors, encore une fois, c'est un concept très, très rationnel. Les béquilles qui permettent de monter, puis de descendre. Et comme ça, avec ce concept, c'était possible de presque pas lever les deux chemins de côté. Et on n'a pas pu construire un pont suspendu parce que les oiseaux, dans ce contexte, ils ne peuvent pas voir les câbles et ils se tuent. Alors, dans toutes ces données, on a trouvé cette solution. Mais encore une fois, j'étais très, très étonné lorsque j'ai vu le pont fini avec ses béquilles. Et c'est exactement la même chose que font les arbres. On les voit même pas si on est perpendiculaire, si on est dans un bateau. On voit pas les béquilles parce qu'ils sont cachés derrière les arbres. Et comme on a fait ici une maquette avec des arbres, on n'était pas conscient de cette correspondance, mais je regarde ces photos avec un certain sentiment qu'on a trouvé une solution très juste, presque automatiquement. Alors, je retourne à la structure. Pour les anthropoïdes, c'est la construction préfabriquée de ces poteaux inclinés. Il y a des oreilles métalliques pour reprendre les câbles. Ce sont les digites finis, jusqu'à 15 mètres de longueur, 8 tonnes.
c'est le montage. Vous voyez des tubes en acier qui sortent aux pieds et aux têtes de ces digits. Et c'était assez délicat de placer les digits. Sur un point, sur une rotule, pas littéralement, mais statiquement. Alors, il fallait les stabiliser avec des trucs que j'ai tous dessinés moi-même et calculés. Des poteaux en bois avec deux chaînes transversales et on devait considérer si ce n'est pas parfaitement centré, que ça ne tourne pas. Et puis, les digits plus ou moins verticales qui étaient fixé par un appareil assez sophistiqué qu'on pouvait ajuster dans les trois dimensions. Alors, ces questions de montage, c'est toujours très, très intéressant. Aussi, il faut le faire avec grand soin parce que c'est vraiment les charges prévues qui agissent sur ces constructions temporaires. Après ça, on a bétonné les pieds. Le béton est sablé. Les ouvriers de l'usine Jakob de Trubschachen ont commencé à mettre les câbles. Tous ces éléments sont préfabriqués d'une précision énorme. On a collaboré avec Dirk Pfeiffer de Konstanz, qui a fait sur son ordinateur tous les plans pour fabriquer ces mailles. Et pour moi, c'était une expérience assez, disons, étrange, parce qu'à un certain moment, je me suis aperçu que tous mes calculs préliminaires étaient faux. Ce sont des structures tellement complexe qu'il est plus possible. Je n'ai pas trouvé de moyens, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a pu m'expliquer ou proposer une méthode approximative de calculer, de dimensionner ces câbles à la main. Et c'est pas bien. On aime faire ce calcul préliminaire, on aime faire ce tour, sa succession, cette précision successive. Et ici, la procédure, c'était que Pfeiffer a dû avoir comme 3 mois pour modéliser la structure sur son ordinateur. Et je n'ai pu rien faire qu'attendre les résultats. Ça, c'est dur. Justement parce qu'on sait... Il venait, c'est ce que tu as fait, c'est faux. Finalement, ça tournait qu'en somme, on est très précis dans les coups, parce que les erreurs de ces approximations, c'était vraiment plus et moins. Alors j'ai eu la chance dans cette construction. On a même pensé, moi j'ai pensé dans un certain moment, d'y mettre des câbles droits entre les pointes des digits pour avoir comme un cadre tridimensionnel rigide, parce que maintenant ce n'est pas rigide. Les digits, eux, ils sont rigides, mais les câbles en courbe, ils sont évidemment élastiques ou élastiquement reliés entre eux par ces éléments secondaires. Et jusqu'ici, je ne peux pas maîtriser cette structure du point de vue statique. Ce qui dit que je ne peux pas donner la forme juste en avant. Alors, ce sont comme des limites de méthode qui m'inquiètent. Des fois, on a l'impression que c'est peut-être le courant normal aujourd'hui. On fait des structure compliquée pour des projets compliqués sur l'ordinateur, mais ce n'est pas le mode de travail que j'aime.
parce qu'on se délivre à la machine. Alors, cette expérience assez extrême, ici. Mais maintenant qu'on a survécu cette procédure, on aime bien les expériences extrêmes. Bon, je passe à toute une autre chose. J'ai été appelé par la Denkmalpflege du canton de Zurich pour dire quelque chose sur ce pont ferroviaire de Ilnau. Les chemins de fer fédéraux ont voulu le remplacer, et puis la Denkmalpflege a dû faire un commentaire. Ils m'ont demandé de faire ça. Je suis allé en hiver, il y a un an, et je me dis, bon, c'est un joli pont. Les structures de ce type, on a tendance de les remplacer parce qu'ils ne sont pas étanches, ils font du bruit. On se dit, ce n'est pas possible de les garder pour une très longue durée encore. Je n'ai pas vraiment su ce que je devrais écrire. Et puis, je me suis dit, je dois retourner, et je dois marcher le long de toute cette route ferroviaire de Effretikon à Inwil. Ce n'est pas le lieu où on se promène normalement. Et comme ça, c'était très étonnant, très surprenant d'y aller. Voyez ce pont. Voyez-le un peu plus proche. Je peux vous dire, je n'ai jamais vu un pont comme ça. Pourquoi? C'est un pont en treillis, en arc. Les lignes sont droites, mais d'une façon radiale. Et c'est exactement ce fait que je n'ai jamais vu. Non, excusez-moi. Encore une fois, ce pont avec ce treillis. C'est un célèbre pont de Thomas Telford en Écosse. On pourrait dire que c'est la même géométrie ici, mais c'est un tout autre pont, type de pont, parce que ça, c'est un arc assez fort. Ce n'est pas un treillis. C'est un arc comme d'une structure massive avec quelque chose en dessus. Même dans ce pont. Mais là, les lignes sont parallèles et verticales. Encore une fois, le pont est très rigide, très massif, même s'il est fait en fonte. Ça, c'est un pont arc en treillis, très vieux pont du réseau de chemin de fer suisse, mais ça, ce sont des triangles ordinaires, encore une fois, verticaux. Alors j'ai dit, je n'ai jamais vu un pont comme ça, à l'exception de celui-là. Ça doit être un réfléchissement similaire, parce qu'ici, dans ce pont que j'ai fait moi-même, j'ai cherché une géométrie qui donne une force constante dans ce câble si le pont est plein de neige. Et là, on a l'impression, c'est peut-être comme une analogie à la maçonnerie, on a voulu, par la pente de ces diagonales croisées, créer une force constante dans l'arc. On peut dire que ce n'est pas une chose grandiose qui change tout sur le concept d'un tel treillis, mais du point de vue intellectuel, du point de vue des pensées que les gens ont fait, qui ont créé ce pont, il y a une analogie. Et bien sûr, on est touché de trouver ces analogies. Alors, je me suis promené plus longtemps. Je suis venu à Ilnau, où est le pont en question. Et j'ai vu une
un paysage assez spécial, le bâtiment qui date de 1872, à l'époque où l'on a construit le chemin de fer, les signes de l'industrie, les bâtiments avec des offices modernes, les Alpes derrière la Seine. Ça, c'est 200 mètres plus loin, un paysage complètement différent. Et maintenant, je passe par là, encore une fois, la Scandinavie. Mais il y a les Alpes. Puis, j'ai rencontré ce passage inférieur. Et qu'est-ce qu'on peut dire à ce passage? C'est un ouvrage parfait. C'est juste ces blocs en pierre, le tablier, une géométrie précise. Je trouve c'est un ouvrage très réussi. Un autre passage à Kempten. Cette fois, c'est en biais sur la route, mais les lignes du tablier sont prolongées parallèlement par les culées. C'est une précision assez extraordinaire du point de vue géométrique. Le même type de pont qui date de 1910, passage en biais avec des poutres en âme pleine, en acier. Des choses très simples, des choses très convaincantes. Je trouve que c'est une qualité de ma vie que je peux avoir tant de choix de trouver des choses comme ça et de les reconnaître. Encore un passage inférieur un peu différent de celui qu'on a vu d'avant. Là, il y a plusieurs couches. On a élargi la structure un jour, on voit, couleur un peu différente du béton. On a utilisé des rails, on a fait un joli petit arrangement de rivets. Plus tard, on a mis du béton un peu grossier sur cette structure. Et puis, j'ai vu un pont avec une voie industrielle. Il ne semble pas très utilisé. Et encore une fois, je dis ça, je connais très bien cet arrangement de pont parce que c'est exactement la même chose qu'à Pfalz. Alors, c'est toujours une transformation de forme qui existe, qu'on fait. Et lorsque je suis ici avec ce pont, je présente un peu des détails de cette conception. C'était le vieux pont à Pfalz, durant une crue, déjà dans les années 50. Ça, c'est un tableau de Georg Peter Luck qui était utilisé un peu comme de la propagande pour créer les barrages, parce que les barrages auront évité ces crues. Ce n'était pas tout à fait vrai, parce qu'il y avait toujours des crues dans les années 90. Et il était nécessaire de créer un nouveau lit pour ce fleuve à Pfalz. Il y avait un bureau d'ingénieurs, Matcha, de Locarno, qui ont fait un projet. Et ils ont mis des digues plus hautes sur le long de la traversée de ce fleuve dans le village. Ça a posé beaucoup de problèmes avec les raccords des entrées dans les maisons. Et on n'était pas satisfait au village. Et puis, ils ont constitué une commission avec Peter Zumthor, avec le Denkmalpfleger, avec des autres gens
qui ont discuté, qui ont fait des propos alternatifs pour créer ce passage du fleuve. Et comme vous voyez, finalement, on a fait des murs. Les murs verticaux ont augmenté la section pour les eaux du fleuve. Ils ont donné la possibilité de les élever, surélever d'un mètre à peu près, comme des balustrades sur le chemin, qui n'a rien changé avec les entrées des maisons. Alors c'est un très bon propos venant de l'extérieur aux ingénieurs de créer ce nouveau lit. Maintenant, ça se présente d'une façon très urbaine, ce passage du fleuve. Ils ont dû refaire 3 ponts et ils m'ont chargé avec le projet de ces 3 ponts. Ça, c'est le pont principal, la Dorfbrücke, qui mène directement sur la place centrale d'Offals. Il y avait 2 autres ponts, la Milchbrücke, c'est un câble avec du lait qui passe par le pont, ça donne le nom. Et comme il y a une maison pour des personnes anciennes ici, comme il y a une école avec beaucoup d'enfants avec des vélos, on s'est dit on ne peut pas surélever ce pont sur le niveau de ces passages à bord du fleuve. Alors le pont est trop bas pour les crues. Ici, c'est la balustrade du nouveau mur qui protège les chemins de rive. Là, on accepte que la route, des fois, est sous l'eau, mais le pont devait être mouvable. On a créé un bras de levier avec un contrepoids sur un côté, parce qu'ici, cette chambre pour le contrepoids était protégée par le mur. L'ouverture est fermée avec des poutres dans le cas d'une crue, tandis que sur l'autre côté, il y a ce mécanisme simple. Alors, c'est très asymétrique, hein, le poids du pont centré au milieu et ce contrepoids excentrique, ce qui devait avoir une barre résistante à la torsion. On l'a calculé, on a trouvé que ce n'est pas un grand problème, mais quand même, c'était un moment un peu tendu qu'on a levé le pont pour la première fois, parce qu'on avait toujours la vision, qu'est-ce qui se passe si l'autre bout reste où il est. Mais il s'est levé avec un retard de à peu près 4 cm, qui était juste ce qu'on a calculé. Alors, c'est un peu pont très simple, très élancé. En fait, il ne faut pas parler trop de ce pont. Ça, c'est la position élevée. On peut le faire dans 2 minutes à la main, parce qu'il a le contrepoids. Un deuxième pont léger, c'est la Rovanadabrücke. C'est à peu près le même principe. C'est une poutre caisson, un acier, qui est rigidement lié à ces 2 poteaux. Alors, ça fait un cadre à peu près à 2 articulations, qu'on ne voit pas de l'extérieur, mais c'est un système très rigide, ce qui a donner la possibilité d'un élancement de 1 sur 60. Normalement, on dit 1 sur 20 dans les constructions en béton, alors c'est 1 sur 60 et ça ne pose aucun problème parce qu'il y a ces encastrements et parce que les relations entre poids et rigidité d'une poutre caisson en acier sont vraiment excellentes. Alors, ce pont-ci, presque fini, ces 2 passerelles en contraste remarqué avec le pont central de la route. Le même phénomène, on ne pouvait pas élever ce pont parce que la place centrale était déjà si raide. C'était impossible de la changer, ce qui veut dire que des fois, le pont est sous l'eau. Et des expériences dans des autres cas ont montré qu'il est possible
que le pont est immergé un peu dans l'eau. Dès que l'eau ne peut pas passer latéralement. Alors, c'est comme un système qui garde l'eau dans son lit et on a une pression élevée ici qui laisse l'espace ouvert sous le pont. S'il y a des arbres, des choses comme ça, ils sont vraiment poussés sous le pont. La chose importante, c'est que ça c'est assez lisse, qu'il n'y a pas des endroits où quelque chose peut se fixer pendant une crue. Mais ça veut dire que les parois latérales massives sont part du concept. C'était comme donné de ces conditions du site. Le principe statique, c'est un arc avec un tirant plus ou moins horizontal. Mais si vous faites ça, c'est la question comment relier les deux éléments, comment suspendre le tablier à l'arc. Au début, on a beaucoup expérimenté avec des barres tendues, précontraintes, et c'était, encore une fois, c'était jamais satisfaisant. On se disait, c'est pas la solution finale, il faut chercher plus loin. Et comme j'ai fait tant de travaux pour la conservation des monuments du chemin de fer rhétique, il y a toujours ces détails typiques avec des plaques en granit ou gneiss qui balancent sur les côtés extérieurs de ces murs massifs, et il y a les petites consoles qui les gardent de tourner sous une charge un peu excentrique. Et ce sont des éléments, au même temps, techniquement très raffinés, et du point de vue architectural, c'est comme le dernier ornement dans ces œuvres très pleines. C'est exactement la même chose comme dans le nationalisme romantique, qu'on place des ornements à des endroits précis. On peut renforcer ces ponts, on peut les faire étanches d'une manière comme ça, qui détruit toute l'expression très riche de ces œuvres. Et ça, c'est encore une fois pas une solution très bonne. Je trouve le principe de la maçonnerie, ce sont ces intercalages. Et c'est le même principe dans les ponts en bois des frères Grubenmann, où c'est joint en dents de scie, très précis. Là. Une esquisse de John Soane, l'architecte de la Grande-Bretagne, qui a fait des tours, qui a visité tous les ponts de Grubenmann pour faire des dessins très précis de ces ponts. Alors ça, c'était finalement le principe, et ça nous a guidés de construire le pont de cette façon que je vais démontrer maintenant. On a un tablier en béton, on a des cales en béton, et on a la pierre latérale là, dans deux bandes, et des plaques de pierre qui s'étendent sur toute la largeur des murs latéraux. Alors, le coffrage du béton était assez compliqué, le tablier, tous ces trucs qui seront complétés par les cales. Et maintenant, ce sont les pierres qui viennent. Il y a des pierres longues et minces, et il y a les pierres larges. Et ça se continue. Et ça donne une construction mixte, solidarisée seulement par des moyens mécaniques. Et je trouve que c'est la façon la plus simple de relier ces choses. Encore une fois, cette démarche rationnelle
c'était Peter Zumthor qui a collaboré dans ce projet, mais la collaboration, c'était toujours quel est le caractère des trois ponts que j'ai montrés. On a discuté de les faire de la même façon, de façon différente. La discussion, c'était ça, les principes, le choix des matériaux. Mais la structure, j'ai plus ou moins fait moi-même, parce que bon, c'est le travail de l'ingénieur, de trouver vraiment la chose raisonnable pour construire avec ça. Ce n'est pas vivre une vision, c'est développer une construction. L'épaisseur des plaques en gneiss, c'est la même comme dans les bains thermiques, 64 mm, parce que l'entreprise qui fournissait ces pierres avait des scies multiples avec cet espace donné. Alors ça crée un système local d'utilisation des pierres. On a fait des essais pour remplir les joints d'un mortier assez liquide. Puis, on passe au bétonnage. C'était la première fois qu'on a vu l'impression spatiale de ce pont qui se relie exactement à la place centrale du village. Et puis, le travail extraordinaire de l'entreprise. Ils n'ont jamais dit qu'ils auraient un problème. C'était formidable. Ils ont toujours souri quand je suis venu sur le chantier. Est-ce que c'est vraiment ça, ce que tu as imaginé, hein? Et puis, c'était un travail absolument précis et propre. Finalement, comme dans les dessins, hein? C'est le béton, et maintenant, ce sont les plaques. Les cales sont dedans, dans ces vides. On les a fermées avec de petites plaques quadratiques. Alors, on parle de ces détails, de ce mode de construction, mais la chose la plus importante, peut-être, pas peut-être, la chose la plus importante, c'est la relation entre le pont et la place centrale. Et je trouve ici, on voit très clairement comme c'est relié, comme ça devient une partie des espaces publics de ce village. Ça, c'est la vue latérale, béton, pierre, bien sûr. Et on voit les gens, ils touchent toujours les parois. Il semble qu'ils aiment de se promener là. Et maintenant, je retourne à mon promenade entre Effretikon et Hinwil. Ça, c'est Avetikon, un autre pont ferroviaire. Encore la pierre. Hein. Des blocs très précis ici, des blocs un peu moins précis là. Un peu dégradés, mais après 150 ans, c'est pas grave. Je retourne à mon pont à Ilnau, ici, dans ce paysage remarquable. L'agglomération avec les maisons colorées, l'aspect rural, industriel. C'est un paysage comme un collage. C'est pas false, avec toutes ces toitures dans le même matériau. Ça, c'est la discontinuité. J'ai photographié le pont. Ça, c'est l'aspect rural, l'aspect industriel. Et finalement, je me suis dit, qu'est-ce que la chose la plus remarquable de ce pont? Ce sont ces piliers. Regardez ces piliers avec ces plaques, ces blocs de pierre. Numéroté. J'ai jamais vu un pilier avec des pierres
des blocs en pierre numérotés. Et ça, ça fonctionne toujours. C'est ça qu'il faut garder. On peut faire tout ce qu'on veut avec la superstructure, je trouve, parce que tout ce paysage est un paysage de collage. On peut échanger ce qu'on veut, mais il faut garder ce pilier. Ça, c'était ma conclusion de toute cette promenade. Et malheureusement, maintenant, le pilier sera détruit parce qu'il est à la position fausse pour une bande de cyclistes. Ah, ces cyclistes. Non, c'est très dommage, c'est vraiment bête. Hein, parce qu'on détruit un héritage très riche qui est parti de ce paysage très inhomogène qui a commencé à me fasciner, vraiment. Alors, je passe à des choses un peu plus conventionnelles. Je vous présente un petit concours qu'on a fait l'année passée en Bavarie, Landsberg, le fleuve Lech, qui a une barrière étonnante, très longue ici, et oui, c'est le Lech, et il y a la station ferroviaire ici, il y a un gymnase là, il y a tant des étudiants, tant des gens qui passent par là. Ils ont besoin d'un pont dans cette région, sur le Lech, encore pour les cyclistes et les piétons. Un peu de plus proche, un bain, le gymnase, et là, il y a une chose assez spéciale. Un jardin d'un peintre, avec une tour, ça s'appelle le Mutterturm, parce qu'il le dédiait à sa mère. C'est un village bien conservé, beau, le contraste de cette immense barrière avec les maisons bavariennes. Et ça, c'est le site du pont. C'est le Mutterturm, et c'est l'atelier de l'artiste, et il y a un pont en bois qui relie les deux. L'auteur de tous ces bâtiments, c'est Sir Hubert von Herkommer, un peintre qui venait de ce village, mais qui avait sa practice en Allemagne. Il était enseignant, professeur. Il a fait des portraits de la reine Victoria, de John Ruskin. Ça, c'est un portrait assez célèbre de Herkommer. Il est devenu très riche et il se remit à l'endroit de son origine pour créer ses bâtiments. Il a même fait un concours de voitures en 1907, qui était le Herkommer Rallye. Un type spécial. Et lui, il a créé tout ce jardin là, autour de sa tour, son atelier. Un jardin abandonné, et dans le projet qu'on a développé, on a essayé de respecter ce jardin dans un mode vraiment qui apprécie le site. Alors, le pont, la tour, le jardin et l'accès du pont qui va autour du jardin, ce qui correspond bien au fait que le pont est un peu plus haut que le chemin ici. Il devait refaire, on devrait refaire cette chose. C'est comme ça se présente aujourd'hui, le petit jardin là, alors on passe comme ça. Un plan de ce jardin ici, une vue truc abandonné, on ne sait pas pourquoi il y a ce pont assez rude. Mais on peut bien insérer
cette nouvelle structure dans cet endroit. Le pont soi-même, on avait en tête un peu ces exemples extraordinaires de Richard Corail, des ponts temporaires pour créer le chemin de fer des Grisons. Et on s'est dit, on fait un pont suspendu et pour réduire les vibrations, on relie les câbles au tablier au centre. Lorsqu'on fait ça, on aime d'avoir une barre qui est fixée sur les deux côtés, qui ne s'élonge pas trop, et la barre doit être en bois. Ce sont des raisonnements comme ça qu'on fait comme ingénieur. Les pylônes ont une double fonction. La façon la plus simple serait de mettre deux barres droites. Mais il y a les cyclistes qui doivent passer transversalement ici. Et pour cette raison, on crée une sorte de cadre qu'on a optimisé du point de vue des contraintes pour les faire constantes. Ça a créé cette forme un peu extravagante des pylônes. Comme ça, il y a un chemin qui passe le long de la rive du lac. On a dit qu'on ne veut pas faire seulement un pont pour ces scolaires, mais un pont qui relie les deux rives et qui crée finalement un réseau tout entier autour de ces rives très belles. Et ça, c'était la raison pour cette structure, section perpendiculaire, détail de plus proche, le tablier, comme j'ai dit, en bois, bien aéré, entretoise, le tablier lui-même sous des plaques de bois avec un asphalte coulé. Finalement, Philippe Scherer a fait de très belles représentations. Je pense que c'est vraiment bon, comme il doit être. J'étais très bonne humeur de rendre ça comme contribution de ce concours, avec l'accès que j'ai dit. La vue dans la nuit, on a vraiment soigné de placer le pont entre les arbres existants, de ne pas détruire cette silhouette belle, un peu fairy tale. Là, on doit s'imaginer une balustrade ici parce que c'est le bain de l'autre côté. C'est une vision un peu abstraite. Et puis, quels sont les projets qui ont gagné, hein? Le rapport du jury, hein? C'est la statique qui devient parlante dans ce projet. Qui croise le jardin d'une façon inconsciente. Non, c'est pas permis de faire des bêtises comme ça. Et ça, c'est le premier prix. Hein. Un pilier là, un autre pilier là. Excusez la représentation, mais c'est le rapport du jury qui est fait comme ça. Et en plan, il y a une courbure forte ici, et il est orienté directement sur la tour. Ça, c'est la situation. Puis, c'est un collègue de Stuttgart qui a fait ça, et un peu plus tard, je l'ai rencontré. Je dis, pourquoi tu as fait ça? Peux-tu m'expliquer les raisonnements derrière? Ah, on a vu... On a cherché une qualité de séjour extraordinaire et des choses comme ça. Et puis j'ai demandé comment tu fais ce point ici, parce qu'il y a un pilier, il y a une poutre continue en bois. Alors, comment tu fais ce raccord? Et puis il a dit, ah,
la hauteur est si grande, ça fonctionnerait certainement. Et, non, je raconte ça pour voir la différence que c'était rien du tout un point qui l'a intéressé. Bien sûr, on peut trouver une solution, l'une ou l'autre, pour ça. Mais c'était pas la démarche d'un ingénieur. C'est quelque chose de, je sais pas, sculpturel, pas vraiment. Quelque chose d'un maniérisme, non pas un maniérisme, d'une extravagance qui est vraiment difficile d'expliquer et qui m'a fait me sentir un peu seul dans ce contexte. Bon. On a fait assez de choses aussi un peu extravagantes avec le même architecte, Maëlle Peter, le pont de Murau. Mais si vous regardez ça, j'aime bien te dire que c'est un principe structurel d'avoir une poutre portante au centre, parce que c'est du bois. Alors, c'est le lieu le mieux protégé des intempéries, au centre. Ça nous a permis de créer un pont assez ouvert, sans des parois latérales. Il y a une hiérarchie dans ce pont, avec l'importance structurelle qui augmente des deux côtés jusqu'au centre. Ça, c'est un principe très, très structurel. Et puis, il avait le deuxième principe qui venait de l'architecte, qu'il y a... Non, pas vraiment de l'architecte. Ça, c'est le concept, disons, du trafic. On fait un pont horizontal pour les cyclistes, parce que c'est la chose la meilleure pour les cyclistes. Alors, une plaine horizontale et puis une rampe. Et pour les piétons qui sont plus vite, on fait la jonction la plus directe entre la gare et le pont. Ce qui dit qu'avec cet escalier, on a un point d'attache qui est sur l'eau. Et puis l'autre escalier avec un point d'attache là. Encore une fois, ça c'est absolument rationnel. Et puis, il y avait cette chose vraiment des architectes, qui venait des architectes, de placer ces deux parois, pas dans la même plaine, mais de les placer excentriquement pour qu'on ne se sente pas sur les deux côtés, mais pour créer quelque chose comme un espace central, là. Une paroi ici, une paroi là. Et je me suis dit, c'est très logique, ça découle du concept du trafic. Encore une fois, ça c'est une décision très rationnelle, et peut-être pas pour l'ingénieur à première vue qui aime les choses dans les choses deux-dimensionnelles, mais finalement, ça a créé la possibilité d'avoir des joints très simples ici et de créer une surface d'appui plus grande qui était très bien pour la stabilité latérale. Alors, c'est un jeu des éléments structurels, des éléments spatial, des éléments du trafic qui viennent ensemble. Tout ça doit venir ensemble dans une conception pour faire une chose bonne. Et si on a ici, dans la conception, on sait tout ce qu'on a à faire dans la suite du projet. Alors ça, c'est comme on travaille chez nous. Je termine la présentation avec deux projet, ça c'est l'ivresse du vertige à Linz. Linz était capitale culturelle de l'Europe en 2008. Et les architectes Bauwau de Tokyo ont créé une sorte de passage sur les toits du
Kultur, offenes Kulturhaus Oberösterreich. Assistance culturelle au milieu de la ville, et un magasin. Et ça, c'était un succès énorme. Tout le monde voulait aller sur les toits de Linz. Et eux, ils voulaient continuer plus tard avec cette structure. Et un beau jour, un Autrichien m'a téléphoné qu'il serait à Zurich. Et il voulait me voir parce que j'étais lui recommandé pour créer un pont suspendu entre un tour d'église et cette installation. Bon, je suis une personne sérieuse. Je pensais que c'était pour fou, mais il est venu et il était très convaincant en présentant ces choses. Je lui ai dit, c'est impossible de créer un pont suspendu d'une tour d'église, mais il y a les gens qui ont les jambes longues et on pourrait faire quelque chose de différent. Et bon, j'étais pris, hein. C'était vraiment un projet qu'on a développé, un projet temporaire qui sera là jusqu'à l'octobre de cette année. Il consiste de deux ponts. Ça, c'est un pont sur un pilier central, et ça, c'est un second pont. Et, hein, je vous montre un peu les choses. Les deux ponts ici, en développement, déjà en construction. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est ce changement d'échelle. C'est la place derrière ces bâtiments. On a l'impression que c'est une tâche immense. Ce truc-là. Et puis, c'était vraiment important pour une structure temporelle de ne pas intervenir dans ces bâtiments existants. Et la chose vraiment intéressante, c'est que cette tour d'église baroque offre tant de possibilités. Je me suis dit, c'est comme la Maria qu'on peut embrasser. Alors, vous voyez le point d'appui ici, qui, oh, je continue, c'est une structure finalement à béquilles qui donne une force horizontale ici, sur les murs. Ça, c'est simple. Ça donne aussi une force verticale, bien sûr, que ces corniches ne sont pas adaptées pour reprendre la force verticale, la composante verticale, alors on l'a suspendue jusqu'ici. Ça, c'est une structure avec des barres inclinées, et ces deux barres vont à travers toute la tour et sont fixées d'une manière très simple sur l'autre côté de la tour. Alors, on a tant de possibilités de fixer quelque chose sans intervenir dans la maçonnerie de cette belle tour, tandis que sur l'autre côté, sur les bâtiments modernes, c'était complètement différent, c'était absolument difficile, parce que c'est isolé, il a la façade métallique, ce sont des machines qu'on ne peut pas toucher. Alors, le deuxième pont, on avait la seule solution de le mettre isolément sur une tour de 25 mètres de hauteur dans la cour. C'est la tour, assez élancée, à la tête, les deux structures, et comme il s'agit des structures temporelles, on a utilisé presque que du bois massif qu'on peut récupérer pour n'importe quelle autre utilisation après le finissage de cette œuvre. Il y a seulement deux pièces lamellées-collées qui sont les deux sous le tablier et qui garantissent une rigidité latérale directement là où on marche. Et ça a permis de créer cette tour très élancée parce que latéralement, elle n'est pas vraiment l'élément qui rigidifie, mais il y a cette poutre
en rectangle horizontal qui est protégé contre les intempéries par des couches isolantes et qu'on pourra récupérer sans des problèmes l'automne de cette année. C'était très fascinant de marcher en pente sur cette tour parce que, en fait, tous ces éléments baroques sont faits pour être regardés d'une grande distance. Et tout à coup, on est proche. On réalise la massivité de tout ce décor. On est face au chapiteau. Ça, c'est une expérience très spéciale et très, très bonne. Et ce pont de 25 mètres de hauteur, je pense, c'est pas grand, mais dans cet endroit, dans ces circonstances, ça donne vraiment le vertige, même pour un pont assez petit. Et un autre travail, le dernier, qui était assez spécial, la collaboration avec un artiste, parce que la ville de Saint-Gall a organisé un concours pour un rétablissement antisismique de ce bâtiment scolaire qui avait que des murs en briques transversales sans aucune stabilisation longitudinale avec deux dalles en béton. Il fallait faire quelque chose lors de la réhabilitation générale de ce bâtiment. Et ils ont invité trois ingénieurs de collaborer avec un artiste pour créer cette stabilisation. Ça, c'était un autre groupe qui a proposé ça dans le cours central, la cour centrale. Encore un autre groupe. Et la troisième proposition, c'était la nôtre et nous avons gagné. Nous avons gagné ce concours avec deux piliers en béton sur le côté opposé du bâtiment et des attaches entre les dalles et les piliers ici et encore à travers ce joint de dilatation. Au début, je me suis dit, c'est un travail assez simple, je le veux faire d'une manière assez discrète, je ne sais pas exactement pourquoi il me faut un artiste, mais c'était prescrit et je me suis souvenu d'un autre projet à Coire, au centre où on a mis une structure assez spéciale qui tient compte de la situation, qui ouvre des vues à travers de bâtiments qui travaillent dans ce mode, qui est précontraint, tout ça. Et l'artiste Michel Pfister, finalement, a créé cette sculpture. Ça se nomme Il Transformateur, à cause que dans le bâtiment, c'est la télévision et la radio romanche. On a aussi contribué un tout petit peu à cette sculpture du sens qu'il n'a aucune structure squelette dedans. C'est un coque métallique, très pur. Et ça nous a vraiment plu, cette collaboration. Et j'ai téléphoné à Michel Pfister de Bâle, et je lui ai dit, il me faut un artiste, en fait, tu ne vas rien faire. Et puis il est venu et il a dit, et j'ai une idée pour ton projet, tu pourrais faire des joints, des éléments, un peu comme ça, fonte ou assez coulée. Et on a discuté. Et j'étais absolument fasciné par l'idée de créer ces éléments qui sont liés aux piliers en béton par des tiges, là, et qui sont ancrés dans les dalles par simplement percer certains trous et coller encore des tiges. Moi, j'avais prévu de faire
petite excavation, d'insérer des éléments métalliques. Mais ma intention principale, c'était de ne pas toucher ou de toucher le bâtiment existant le moindre possible. Et l'artiste vient et il prend mon concept et il le met. Il me conduit plus loin dans mon propre concept par son intuition. Et ça, c'était épouvantable. Ça m'a tellement plu que l'artiste vient et il dit, fais cet élément. Et c'est encore beaucoup plus précis que tout ce que j'ai pu m'imaginer moi-même. Alors, on a dessiné ça, les deux murs en béton, en bon, dans une bonne effet d'ensemble avec les briques existantes. Et puis ces éléments dedans. Et la chose marrante, c'est que le résultat final est exactement celui du concours. Pour expliquer la fonction, ce n'est pas relier les dalles aux parois, mais c'est relier les deux dalles entre eux, avec ces tiges, ou relier l'élément de la dalle au pilier extérieur. Les parois eux-mêmes, excusez, ils sont tenus par les dalles. Ça se présente comme ça. On a fait référence un peu aux grandes œuvres de la s'écouler, hein, comme le centre Beaubourg. Peter Rice qui a dit, c'est les traces de la main qu'on reprit dans cette assez coulée. On a discuté au wagon restaurant entre Saint-Gall et Zurich. On a développé des maquettes. Ça s'est déjà coulé. C'est la maquette de l'usine Benninger à Hautsville qui a coulé, qu'on moulait les éléments. Les attaches. Et finalement, ils sont là. C'est un peu le démon, hein. Je finis seulement par montrer quelques images. Merci pour votre attention.